Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. J'ai terminé. Tu as fini? Voyons voir ça. C'est moi et Clémentine, on fait de la balançoire. Et je me balance plus au caille. C'est très beau, Caillou. Accrochons-le sur le réfrigérateur pour que tout le monde puisse le regarder. Viens mettre un aimant sur ton dessin pour le faire tenir. D'accord. Merci, maman. Tiens, voilà un aimant. On dirait qu'il a sauté. Mm-hmm. Et tu peux en mettre un autre. Waouh, mais c'est magique. Sais-tu, Caillou, que les aimants adhèrent à beaucoup de choses? Non, c'est vrai. Caillou voulait voir à quel genre d'objet les aimants adhéraient. Regarde, Mousseline, je t'ai apporté des aimants. Ils adhèrent aux choses. Tu vois, ils ont l'air d'avoir adhéré. Ouh. Regarde, je suis l'homme aux aimants. L'aimant aime beaucoup ma voiture. Vroom, vroom, vroom. Gilbert, est-ce que tu veux que je pose un aimant sur toi? Ah! Mousseline veut un aimant. Bien, tu peux avoir le R. Le mot reine commence par R. Ouh. Tu ne veux pas jouer aux aimants avec moi? Qu'est-ce que tu fais, papa? Je construis une cabane pour les oiseaux. Et toi, qu'est-ce que tu fais, mon grand? Je mets des aimants sur des choses, mais les aimants ne tiennent pas toujours. Youpi! Dis-moi, Caillou, sais-tu pourquoi ils tiennent sur le banc et pas sur mon atelier? Non, pourquoi? Eh bien, parce que mon atelier est en bois et que le banc est en métal. Les aimants ne tiennent que sur le métal. Et la seule façon de savoir s'ils vont tenir, c'est de les poser et de voir le résultat. Caillou en apprenait beaucoup sur les aimants. Mais pour suivre les conseils de papa, il lui fallait beaucoup d'autres aimants. Il posa un aimant sur la cuisinière, un sur le grille-pain et même un sur la louche. Oh, tiens, tiens, il y a quelqu'un qui aime beaucoup les aimants dans cette maison. Caillou s'amusait comme un petit fou à mettre des aimants partout. Ils peuvent même tenir à l'envers. J'aimerais bien pouvoir faire la même chose. Parce que je suis l'homme aux aimants. Oh. Ah. Mmh.
chercher. Je suis l'homme aux aimants. Caillou? Ah, enfin, te voilà, Caillou. Figure-toi que j'ai trouvé des aimants un peu partout dans la maison. C'est parce que les aimants aiment beaucoup s'accrocher aux choses. Peut-être, mais ils ne s'accrochent pas tout seuls. Il est temps de les remettre sur le réfrigérateur. Penses-tu qu'on va pouvoir tous les retrouver? Caillou se mit donc à chercher tous les aimants qu'il avait laissés dans la maison. Et il y en avait beaucoup. J'ai trouvé un... épais. Il en récupéra une bonne partie. J'ai l'impression qu'il en manque encore quelques-uns. Mousseline a le R. R comme reine. Il faut que je mette tous les aimants dans mon seau. Veux-tu m'aider à terminer la cabane pour les oiseaux? D'accord. Il faut qu'on ajoute ce petit anneau en métal pour pouvoir la suspendre. Oups! Oh oh! Je le vois! Moi aussi, mais je ne vois vraiment pas comment je peux le récupérer. On pourrait se servir de mon aimant, mais comment on va faire pour le remonter? Tu me donnes une idée, Caillou. On pourrait peut-être l'attacher à une ficelle avant de le descendre. Je ne savais pas qu'on pouvait aller à la pêche avec un aimant. Je l'ai attrapé! Bravo! Il semblerait qu'on ait un expert en aimant dans la famille maintenant. Caillou était content d'avoir appris tant de choses sur les aimants. Et il était aussi très fier d'avoir aidé son papa. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit. Ha ha! Je savais qu'il en manquait un. Mousseline veut te dire bonne nuit. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, Mousseline. Hey! Je suis l'homme aux aimants. Oh, et lâche-moi, l'homme aux aimants. Oh, Caillou! Caillou, le chasseur de dinosaures. Caillou! Caillou! Caillou, réveille-toi! Réveille-toi! Caillou avait oublié que ce jour-là, toute la famille allait au musée. Tout à coup, Caillou se dit qu'il ne pouvait pas aller au musée des dinosaures sans emporter Rexy, son dinosaure préféré. Caillou, dépêche-toi, on est prêt à partir. J'arrive, maman. Maman, tu penses qu'on va voir la famille de Rexy là-bas? Oh oui, je pense qu'on va la voir. Youpi! Oui! Comment ça se fait qu'il n'y a plus de dinosaures? Ça, personne ne le sait exactement, Caillou. Les dinosaures partis! Hé, hey, redonne-moi Rexy! Ils arrivèrent enfin au musée. Caillou était tellement impatient de voir les dinosaures. Dépêche-toi, maman, l'entrée par là. Caillou! Oh, excusez-moi. Caillou, il va falloir que nous attendions notre tour comme tout le monde. D'accord. Tu n'aurais pas oublié quelqu'un?
Rexy! Tu ne préférerais pas laisser Rexy dans la voiture? Comme ça, tu es sûre de ne pas le perdre. Non, je vais le garder tout le temps avec moi. Ne t'inquiète pas, ma chérie, ils ne peuvent pas te faire de mal. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus de peau? Il ne reste que leur squelette. Oui, tout ce qu'il nous reste des dinosaures, ce sont leurs os, Caillou. Quand les chercheurs ont trouvé ces os, il a d'abord fallu qu'ils les remettent tous ensemble, un peu comme un casse-tête. C'est seulement là qu'ils ont su à quoi ressemblaient les dinosaures. C'est vrai? Mm-hmm. Regarde! Ça, c'est le squelette d'un tyrannosaure. Il appartient à la même espèce que Rexy, ton dinosaure. Wow, ça alors, qu'est-ce qu'il est grand! Ouh, dinosaure comme Rexy! Oui, Mousseline, il est comme Rexy. Je ne savais pas qu'il existait autant de dinosaures différents. Waouh, regardez celui-là, c'est un dinosaure volant! Oui, c'est un ptérodactyle. Caillou imagina à quoi pouvait ressembler un vrai ptérodactyle. C'est super! Oh. Youpi! Caillou avait beau regarder, il ne voyait ni papa, ni maman, ni Mousseline. Il décida donc de rester là où il était. C'est ce que maman lui avait dit de faire s'il lui arrivait de se perdre. Bonjour mon grand, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Caillou savait qu'il ne devait pas parler aux gens qu'il ne connaissait pas. Par contre, il savait qu'il pouvait parler aux gens qui travaillaient au musée. Je ne trouve plus ma maman et mon papa. Oh. Alors je vais rester assis ici jusqu'à ce qu'ils reviennent. Tu as raison, c'est une très bonne idée. Si tu veux, je vais les attendre avec toi. Caillou! Maman, regarde, je suis là! Bravo, tu n'as pas bougé d'où tu étais. Je n'ai pas eu de mal à te retrouver. J'espère que tu n'as pas eu peur. Non, je parlais à la gardienne qui est très gentille. Maman, trouvez Caillou! Oui, tout comme les chercheurs ont trouvé les dinosaures. C'est vrai, regardez, je suis un dinosaure. Wow! Ah, un éléphant! C'est un mammouth laineux. Il a besoin d'aller chez le coiffeur. Est-ce que c'est vraiment un éléphant? C'est l'arrière-arrière-arrière-grand-père de tous les éléphants. Wow! Alors, tu t'es bien amusé? Oh, oui! Et maintenant, tu sais à quoi ressemble la famille de Rexy. Oh, Rexy! Maman, j'ai oublié Rexy! Je l'ai laissé quelque part! Ne t'en fais pas, Caillou. On va le retrouver. D'abord, nous allons voir s'il n'est pas aux objets trouvés. C'est un endroit où les gens apportent les choses qu'ils trouvent. Si quelqu'un a trouvé Rexy, il l'a peut-être amené là. Aux objets trouvés, Caillou expliqua à la dame qu'il avait perdu Rexy, son dinosaure. Mais la dame ne l'avait pas. Papa et Caillou cherchaient Rexy dans tout le musée. On peut peut-être retourner aux objets trouvés. Papa, regarde! La gardienne a trouvé Rexy au milieu des autres dinosaures. Tiens, te revoilà, mon grand. Tu as oublié quelque chose avant de partir. Rexy, merci beaucoup. Je suis tellement contente de t'avoir retrouvée. Regarde, maman, j'ai Rexy. Bravo, est-ce que tu as eu du mal à le retrouver? Non, parce qu'il n'a pas bougé. Il est resté à la même place comme je lui avais expliqué. Rexy est un petit dinosaure très intelligent. Oui, ça c'est vrai, il est très intelligent. Allons au musée.
Qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui, Caillou? J'aimerais aller visiter un autre musée. Entendu, allons-y. Nous allons voir un musée, je n'en peux plus d'attendre. Nous allons voir un musée, j'ai toujours hâte d'apprendre. Des peintures et des œuvres d'art? Par où commence-t-on? Il y a tant de choses à voir. Des fossiles, des pierres dans un écrin, de vieux bouquins. Une horloge bizarre. Comment pouvait-il lire l'heure, papa? Un vase ancien, un bijou et maintenant un igloo. Une armure de chevalier? Avec une épée et un bouclier. Papa, comment il faisait pour aller aux toilettes? J'en sais rien, Caillou. Une momie toute endormie, l'homme de caverne était petit. Des choses qui volent dans le ciel? Une roche de la lune, un météorite venu de l'espace. Tout ici est captivant. Aller au musée, c'est passionnant. Tout est intéressant. Allez tout droit au musée et vous vous amuserez. Il y a tant de choses à découvrir, vous ne voudrez plus partir. Vous ne voudrez plus partir. Ouais. Caillou, l'astronaute. Caillou aimait beaucoup jouer à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Comme un gros papa ours, par exemple. Papa ours, est-ce que c'est toi? C'est moi, c'est Maman Ours. Bonjour, Maman Ours. Allons voir si on peut trouver des baies sauvages à manger. Regarde ces baies, elles ont l'air très bonnes. Toutes les baies ne sont pas bonnes à manger, mais celles-là le sont. Je peux manger des milliers de baies. Et moi, je peux manger des millions de baies. Caillou, regarde mon nouveau jouet. Les lumières fonctionnent vraiment. Et en plus, à l'intérieur, il y a deux astronautes. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de filles astronautes dans ta fusée? Les filles sont peut-être parties dans une autre fusée? Viens, Caillou, on va faire semblant d'être des astronautes. Mais on jouait à la famille ours, tu te souviens, Caillou? Caillou avait vraiment envie de jouer aux astronautes, mais il était déjà en train de jouer à un autre jeu avec Clémentine. Est-ce que tu veux jouer à la famille ours avec nous? Tu pourrais être le bébé ours? Non, je préfère m'amuser avec ma fusée. Maintenant, je vais jouer avec Clémentine, mais après, j'irai jouer à l'astronaute avec toi, d'accord? Oui, d'accord. Je vais aller dormir dans ma grotte. Maman ours, où es-tu? Réponds-moi. Après avoir joué à la famille ours, Caillou avait très faim. Il était prêt à manger sa collation. Caillou, tu viens t'asseoir à côté de moi? Non, viens t'asseoir à côté de moi. Caillou ne savait pas où il devait s'asseoir. Je sais. Caillou peut venir s'asseoir entre nous deux. Bientôt, ce fut l'heure de l'histoire, et là encore, Caillou s'assit entre ses amis, Clémentine et Timothée. Quel livre aimeriez-vous que je vous lise aujourd'hui? Moi, j'aimerais bien un livre qui parle de l'espace. Ça y est, j'en ai trouvé un. Cette grosse boule jaune ici, c'est le Soleil. Et toutes celles-là, ce sont des planètes. Et cette planète-là, c'est la Terre. C'est notre planète. Tu as raison, Timothée. La Terre est la planète sur laquelle nous vivons. Et des astronautes voyagent dans des fusées. Pour aller sur la Lune et peut-être un jour sur d'autres planètes que la nôtre. Caillou aurait tellement aimé voyager dans une fusée pour aller explorer toutes les planètes. Attention, voilà Caillou l'astronaute! Comme c'est beau! Ah,
Allez, venez les enfants, allons jouer dehors maintenant. Oui! On va pouvoir rejouer à la famille ours. Je ne peux pas, Clémentine. J'ai promis de jouer à l'astronaute avec Timothée. Tu peux jouer avec nous? On a besoin d'un autre astronaute. Moi, je veux jouer à la famille ours. Moi, je veux pas jouer à la famille ours. Eh bien, moi, je ne veux pas jouer aux astronautes. Quel est le problème, les enfants? Clémentine et Timothée veulent jouer à des jeux différents. Pourquoi ne pas essayer de trouver un jeu auquel vous aimeriez tous jouer? Caillou essayait de penser à un jeu dans lequel il y aurait à la fois des planètes et des ours. Madame Martin, dites, est-ce qu'il y a des ours sur d'autres planètes? Ça, je n'en sais rien, Caillou. Mais c'est une très bonne question. Il se peut qu'il y ait des ours sur une autre planète très très loin d'ici. On pourrait faire semblant d'être des astronautes qui partent dans leur fusée et vont très loin sur la planète des ours. La planète des ours? Oui, toi tu serais une ours sur la planète des ours et nous on viendrait explorer ta planète. Bon, d'accord. Alors, la planète des ours, elle est là-bas. D'accord. Allez, viens vite, Caillou. Il faut qu'on monte dans notre fusée. Explorer cette nouvelle planète. Qu'est-ce que tu en penses, Caillou? Bonne idée. À mon avis, il n'y a personne sur cette planète. Tu as entendu ça? Je suis une maman ours. Est-ce que vous voulez des baies sauvages? Oui. Oui, j'en veux. Caillou était heureux de pouvoir jouer en même temps avec ses deux amis, Timothée et Clémentine.